Hello! On n'arrête plus le progrès, les potes. Je peux régler les lights de mon setup avec mon iPad. Donc, tu vois, rien n'est grave. Je pense qu'en vrai, se faire voler son téléphone en 2023, c'est mieux que se faire voler son téléphone genre en 2010, où là, c'était vraiment la galère, tu vois. Je pense que là, tout de suite, aujourd'hui, se faire voler le téléphone, c'est moins grave qu'avant. Parce que il y a le cloud, il y a les drives, parce que ben, quand t'as d'autres appareils, genre iPad ou ordinateur, genre je suis connectée à WhatsApp, je suis connectée à Discord, je suis connectée à Insta, enfin, j'ai tout quoi. Donc, ça reste casse-pied, évidemment. Ça reste casse-pied. Ça reste casse-pied, mais je pense, la pinouette, moi, à relativiser. C'est toujours moins chiant qu'une voiture, c'est ça. Et ensuite, ça reste casse-pied, mais c'est quand même moins grave qu'avant, je pense. En 2010, il n'y avait pas de téléphone. Ouais, en 2010, il n'y avait pas d'électricité non plus, en plus. Plus de tel en 2023, c'est ne plus pouvoir se connecter au compte sécurisé en double authentification. Il est vrai, mais... Bah, d'ici que je rachète un téléphone, j'ai... Tous mes comptes sont ouverts, je vais pouvoir la récupérer de toute façon. Parce qu'en fait, j'ai téléchargé Authy sur mon... J'ai téléchargé Authy sur mon iPad. Je vais vous raconter. J'ai téléchargé le truc d'authentification sur mon iPad. Mais en fait, ils me disent « Use receive SMS message ». Donc en fait, je vais pouvoir me reconnecter que quand j'aurai reçu un nouveau téléphone et une nouvelle SIM. J'ai pas d'assurance, j'ai juste ma responsabilité civile. J'ai pas pris d'assurance pour mon téléphone. J'ai juste la responsabilité civile. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faudrait que je l'appelle? Plus de biréal, c'est vrai. Non, la responsabilité civile, ça marchera pas. Ok. Non, j'ai pas pris d'assurance pour le téléphone. Ouais, bien sûr, j'ai essayé la géolocalisation. Bah, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, Bah, attendez, je vais faire un tweet maintenant, vu que j'ai pas pu prévenir du live sur Instagram. Je vais faire un tweet maintenant, parce que je peux pas poster de story sur Instagram, je peux juste faire des publications. Via le PC, j'entends. Éventuellement, celle de la maison. Ah oui. Bah, c'est ça que je voulais dire par responsabilité civile, en fait. Petite story à l'iPad. On peut faire ça? Alors... Twitch.tv/Ultia. Je me suis fait voler mon téléphone. Lol, des barres de rire. En fait, est-ce que je peux parodier le tweet de Maxildan sur sa grand-mère? Ou est-ce que c'est malvenu? J'arrive dans 10 minutes en live, perso. Un peu d'émotion, là. J'arrive tout de suite en live. Elle va un an. J'arrive dans tout de suite en live, perso. À poil! Perso, un peu d'émotion, là. Merci Wolfgang pour le sub gift à Benjamin, merci beaucoup. Merci Aiden pour le 15e mois, merci Eurotium pour le 10e mois, merci Sig Parvis Magna pour le 14e mois, merci beaucoup au financement du nouveau téléphone. Merci Maxildan grand-mère. J'arrive dans 10 minutes en live perso, un peu d'émotion. Je me suis fait voler mon téléphone, j'arrive tout de suite en live perso, un peu d'émotion. C'était quoi ce tweet? Bah c'était un tweet pour le décès de la mamie de Maxine. C'est un tweet qui m'a beaucoup fait rire. Hein. C'est pas du tout une pique contre Maxildan à proprement parler. Hein. C'est vraiment parce que le tweet, je le trouve rigolo. C'est un peu comme le tweet de Notre-Dame qui brûle. Genre, tweet Notre-Dame. Celui-là, là.
Je suis dehors, je me suis enfui de table, je ne peux pas gérer, j'y arrive pas, je suis seule à pleurer dehors parce que putain, c'est Notre-Dame et j'ai l'impression de crever. Bon, c'est pas cette personne qui a tweeté hein, à l'origine, hein. Ça c'est quelqu'un qui a repris le tweet. Mais bref, ce tweet, enfin genre le tweet de Max Hilden, c'est pas pour l'attaquer, c'est pour rigoler. Hein. S'il passe par ici, c'est vraiment juste pour rigoler. Du coup, je vais juste tweeter. Venez, on fait une photo en mode... On l'embrasse, bien sûr. On n'est pas toujours d'accord avec lui, mais on l'embrasse quand même. Hop. Voilà. Hop. Hop. Alors, je me suis fait voler mon téléphone, j'arrive tout de suite en live perso, un peu d'émotion là. Quand je vous dis que Montpellier, je trouve que ça craint, mais vraiment, hein, je rigolais pas. Hein. Genre vraiment, j'ai habité à Nice, j'ai habité à Lyon, j'ai habité à Paris, bon à Saint-Germain. Et du coup, je suis beaucoup allée à Paris. Et là, j'ai habité à Montpellier, je trouve que ça craint. Genre vraiment, je trouve que Montpellier craint, en fait. Enfin, genre... Je sais pas, je trouve que ça craint grave. En l'espace de 3 mois, je me suis fait siffler un nombre incalculable de fois, je me suis fait reluquer un nombre incalculable de fois, je me suis fait aborder un nombre incalculable de fois, je me suis fait voler mon téléphone. Genre, Montpellier craint quoi. Enfin, genre, pourtant, j'ai habité dans beaucoup de villes en France, mais Montpellier craint. Hein. Voilà. Alors. Ok. C'est sûr que Saint-Gers, c'est plus tranquille, c'est sûr. Ok... Ok. J'ai l'impression d'entendre une description de Nantes. Mec, franchement, je trouve que Montpellier, ça craint de ouf. Et pourtant, je suis pas du genre à dire... vous savez, il y a des gens sous couvert de racisme qui disent des trucs genre « Non, mais l'Ariane à Nice, ça craint » ou qui disent « Les moulins à Nice, ça craint ». Non, mais gros, c'est pas que ça craint, c'est juste que t'as peur des Arabes. Et bon, c'est juste ça, en fait. Donc, vraiment, c'est vraiment juste la ville craint, quoi. Enfin, c'est même pas une histoire de quartier, c'est même pas genre la ville craint, quoi. Enfin, y a pas de... Pas de feinte, quoi. C'est... Bref. C'est pas grave. Je ferai plus attention à l'avenir. On ne m'aura pas deux fois. Ben, je vous raconte ce qui s'est passé. J'étais en train de bruncher tranquillou bilou. Et ouais, vraiment, la ville en elle-même craint. Parce que, tu sais, genre... à Lyon, j'habitais à Mermoz-Pinel. Tout le monde me disait, oh, mais ça craint, non? Non, mais tu dis ça parce que c'est un quartier, en fait. Tu dis ça parce que c'est un quartier et qu'il y a une boucherie halal en bas de chez moi, ou est-ce que tu trouves vraiment que ça craint? Non, parce que moi, j'ai jamais eu de problème à Mermoz, en fait. Merci, Nitrolix, pour le 32e mois. Merci beaucoup. Mermoz, ça craint? Ah non, mais tout le monde me disait ça. Genre, quand je disais que j'habitais à Mermoz, à Lyon, tout le monde me disait « Ah, ça craint !» Moi, j'étais en mode « Ok, non, pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. » Bref, on s'en fout. Merci pour le 32e mois, Nitrolix. Ça, c'est pas merci beaucoup. Merci, Longue Folle, pour le 28e mois. Merci pour ce train de la hype qui finance l'achat du nouveau téléphone. Putain, ouais, je me suis fait voler mon tel, Diane. Je suis dégoûtée. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis trop deg. Merci pour le train du financement. Merci beaucoup. Non, et oui. En vrai, franchement... Ça, c'est pas très gratuit. Merci Pouka pour le 11e mois. Putain. Merci Anomaly, c'est gentil. Oui, c'est une robe. C'est une robe The Couples. Elle est très jolie, regarde. Ça, c'est pas très merci gratuit. Merci Flamoro pour le Prime. Elle est très jolie, mais elle a un peu mal coupée en haut par rapport à en bas. Genre là, elle est un petit peu fendue ici. Et il y a plein de boutons, je sais pas si on les voit, mais il y a plein de boutons là. Voilà, elle est très jolie, je l'aime beaucoup. T'as l'air sous le choc. Bah, tu trouves? Tu trouves que j'ai l'air sous le choc? Ça, c'est pas très gratuit. Merci Nazuka pour le 8e mois, merci beaucoup.
Ça, merci c'est Noé. Merci Noé pour le 10e mois. Merci Chaflamme pour le 7e ça, mois. C'est pas très gratuit. On se vengera de ce vol organisé par Barilla. Non, bah je suis pas sous le choc, je suis... Oui, ça me blase, genre, mais comme quelqu'un qui vient de se faire voler son téléphone, hein. On relativise. En fait, l'histoire de ma vie, c'est d'apprendre à relativiser. Donc, no probs. Au contraire, je trouve que tu tankes bien ce vol. Je serais en train de faire les 100 pas dans mon salon. Bah, ça sert à rien. Moi, je me suis fait beaucoup avoir dans ma vie par... Mais oui, c'est pas grave, genre. Vraiment, c'est pas grave. Quand j'étais... quand j'avais genre 18 ans et quand j'étais ado et jeune adulte, et enfin je suis toujours jeune adulte, mais quand j'étais ado et genre jusqu'à mes 25 ans, un pépin c'était la fin du monde pour moi très rapidement. Et du coup, bref, j'avais beaucoup de mal à relativiser et à prendre du recul. Et en fait, que ça soit ma famille ou mes collègues au travail, etc., on m'a beaucoup dit qu'il fallait absolument que j'apprenne à prendre du recul parce que sinon ma vie allait être pourrie. Et du coup, avec le temps, j'ai réussi à lâcher prise, notamment à l'aide de la règle des 5 ans. Désolée, je regarde beaucoup par là parce qu'il y a le fils du voisin qui est dans le jardin et du coup, je suis en mode « est-ce qu'il me voit ?» Merci Creeperman pour le financement du téléphone. Voilà pour un nouveau. Merci beaucoup Creeperman. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ouais, je disais, j'ai beaucoup appris à relativiser, notamment grâce à la règle des 50 dont je vous ai déjà parlé en live. Je pense que les gens qui ont aucun mal à relativiser dans leur vie vont trouver que c'est débile, la règle des 5 ans, mais en tout cas, sachez que pour les gens qui, comme moi, ont du mal à relativiser quand un petit pépin arrive ou un gros pépin arrive, ça aide. En gros, la règle des 5 ans, c'est est-ce que ça va impacter ma vie sur 5 ans ? Si oui, j'ai le droit de m'en inquiéter, genre accident de voiture et je suis blessée, par exemple, ou alors genre une maladie, ou alors surtout au niveau de la santé, au final, quand on y réfléchit, ou alors genre un procès, enfin tu vois, un truc comme ça. Est-ce que ça va m'impacter sous 5 ans ? Oui ou non ? Genre une rupture, ça m'impacte sous 5 ans, parce que dans 5 ans, ça veut dire que je ne serai plus avec cette personne et que machin, j'ai le droit de m'en inquiéter. Un vol de téléphone, t'as pas le droit de t'en inquiéter. Une casse, t'as pas le droit de t'en inquiéter. Une voiture, alors qu'il n'y a pas de dégâts physiques, t'as pas le droit de t'en inquiéter. Un chèque perdu, un compte bloqué, une carte piratée avec genre, c'est juste, je dis pas une carte piratée où on t'a vidé tous tes comptes, je parle pas de ça, mais genre une carte piratée où tu t'en es rendu compte rapidement et où la banque a bloqué et machin et tout ça, tu vois. Genre c'est la règle des 5 ans. Vraie question innocente, mais comment tu expliques le fait que tu aies du mal à relativiser éducation ou personnalité ? Je sais pas... je vous avoue que j'ai pas l'impression que ça soit mon éducation, parce que par exemple... Attendez, parce que la musique est un peu forte dans mes oreilles, c'est mieux. J'ai pas l'impression que ça soit lié à mon éducation, parce que par exemple, quand j'ai eu le permis... quand j'étais jeune permis, les premiers mois de mon permis, je me suis fait gazer à la lacrymo la veille en boîte de nuit. C'est pas le moment de parler des détails de cette histoire. J'étais un dommage collatéral dans l'histoire, mais... Et du coup, j'avais la vue un peu trouble et j'ai pris la voiture et je me suis pris un trottoir un peu trop vite. Je roulais un peu trop vite dans tous les cas. C'était pas qu'une histoire de lacrymo. Et du coup, j'ai crevé à quelques mètres de mon domicile et j'ai appelé mon père en pleurant et en disant que j'avais crevé, que c'était grave, que c'était horrible, que je suis désolée, que machin, que truc. Et mon père, il a dit « On s'en fout, c'est que de la tôle, bats les couilles, enfin vraiment, l'important c'est que t'ailles bien, on s'en fiche, etc. » Donc j'ai pas l'impression que ça soit une question d'éducation parce que à chaque fois qu'il m'est arrivé des trucs comme ça, j'avais l'occasion d'être... d'appeler mes parents et qu'ils soient en mode « Rien n'est grave, tout va bien. » Donc, Donc, la règle des 5 ans. La règle des 10-10-10, pour quand quelque chose m'énerve, s'il y a quelque chose qui n'a
pas d'importance dans 10 secondes, 10 mois ou 10 ans, je ne vais pas m'énerver. Enfin, ça va dépendre de l'importance du truc. Après, 10 ans, c'est beaucoup quand même. Moi, genre 5 ans, c'est ce qui me va, tu vois. Mais après, je suis quelqu'un d'anxieux, tu vois. Genre, je suis anxieuse. Donc, shit happens. J'arrive pas à relativiser. Dans mon cas, je pense que c'est mon éducation. Je viens d'une famille d'énormes stressés et ça déteint, je crois. Bah, la règle des 5 ans aide. Donc, comme Luciole l'a gentiment rappelé au début du live. Salut Flo. Comment ça m'est arrivé ? J'étais en train de bruncher au Napoléon Dynamite, qui est situé à Montpellier. Et donc, en fait, c'est ouf parce que... Je sais pas si ça va m'aider pour la plainte ou quoi, mais c'est ouf, mais je me souviens vraiment de tout ce qui s'est passé. Je sais, j'ai payé avec Apple Pay avec mon téléphone. Ensuite, je me suis dirigée vers la gare Saint-Roch pour accompagner une copine. Je marchais dans Montpellier, je suis allée à Gibert Joseph pour acheter des trucs que je vais vous montrer après vous avoir raconté cette histoire de vol. J'ai acheté des bouquins à Gibert Joseph, j'ai payé avec ça, mon téléphone. C'est pas gratuit. Merci Raiden pour le 7e mois. Je suis allée à Gibert Joseph, j'ai payé avec mon téléphone. Je suis partie de Gibert Joseph, j'ai mis le GPS pour savoir où était la gare Saint-Roch. Je m'en suis servi jusque devant le Uniqlo et j'ai posé mon téléphone. Donc ça s'est passé entre Place de la Comédie et la gare. Sauf que entre Place de la Comédie et la gare, c'est une ligne droite pour ceux qui connaissent Montpellier. Sauf que entre Place de la Comédie et la gare, je ne me suis absolument pas. Il n'y avait pas de monde. Je ne me suis pas. Je n'ai croisé personne. Il n'y avait pas de monde. Personne ne m'a bousculé. Personne n'est passé proche de moi et les arrêts de tram étaient vides parce que la voie était déviée et du coup il n'y avait personne, c'est-à-dire que vraiment juste mon ami et moi, on était toutes les deux côte à côte et on a marché de Place de la Com jusqu'à la gare sans... On n'a pas croisé personne, mais on a croisé personne qui était proche de nous et qui aurait pu me voler mon téléphone. Et complètement raton. Bah, c'est pour ça que je sais exactement quand c'est arrivé. Du coup, tu te l'es pas fait voler alors, tu l'as perdu. Bah attends la fin de l'histoire. Donc, du coup, je suis arrivée à la gare Saint-Roch pour accompagner ma copine. Et je lui dis bonne route. Je vois mon sac, ça, genre je regarde... C'est Merci Oulan pour le 32e mois, merci beaucoup. Je lui dis bonne route. Je me fais bousculer par une dame qui promène son chien en laisse. C'est-à-dire que le chien arrive à ma droite et du coup je tombe pas, mais tu sais, le chien continue d'avancer et la laisse est sur mes jambes. Donc du coup, il faut que le chien fasse le tour. Et en fait, le temps de me retourner, de dire à la dame « Oh, excusez-moi !» de me re-retourner et de dire « Bon voyage » à ma copine... Je vois que mon sac est ouvert et qu'il n'y a plus le téléphone. Donc, c'est là que ça s'est passé, quoi. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est la dame au chien. Je pense que c'est surtout un complice, parce que j'avais mon sac sur mon épaule droite. Et que... Genre, la dame avec le chien était à ma gauche. Donc, je pense que c'est le chien qui a fait diversion avec la dame. Je me suis retournée comme ça. Et j'avais plus de téléphone, donc je pense que la personne... bah oui, c'était organisé. Non, mais je suis sûre que c'est ça. J'en suis certaine. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un qui était du côté droit, qui en a profité que je me tourne vers la maîtresse du chien. Merci Flo pour le 2e mois, merci beaucoup. Est-ce que cette dame était de mèche avec la personne qui m'a volé mon téléphone ? J'en sais rien, la vérité, j'en sais rien. Peut-être que c'est juste quelqu'un... C'est peut-être que c'était juste un pickpocket qui zonnait dans la gare et qui attendait le moment opportun, tu vois. On pourrait me voler mon appart, ma vie, mon mec en faisant diversion avec un chien. Donc du coup, voilà, je me suis fait voler mon téléphone comme ça. Je m'en suis rendu compte immédiatement parce que mon sac à main a été ouvert. Et du coup... C'est possible qu'elle soit dans le coup. Je me rappelle très bien de sa tête, hein, de toute façon.
Du coup, alors, et donc j'ai regardé dans mon téléphone, je n'avais pas pris mon portefeuille, parce que du coup j'ai Apple Pay sur mon téléphone et qu'en général je ne me sers que de ça. Ouais, ma pote était encore avec moi, c'est ça. En plus, il doit y avoir des caméras. Ouais, je pense, ben j'ai... Attendez, j'arrive. Dans les poches avant, j'ai une robe, Creeperman, je n'ai pas de poche. Donc du coup, j'ai... qu'est-ce que je voulais dire ? Je m'en suis rendu compte tout de suite. J'ai demandé à ma pote de m'appeler. Ça a sonné deux fois et la personne a raccroché. J'ai regardé autour de moi. Qu'est-ce que tu veux que... Genre, la personne va pas brandir mon téléphone comme ça, tu vois. Donc, bah, j'ai rien vu de spécial. Je suis allée prendre le tramway. En attendant le tramway qui passait dans 3 minutes, j'ai demandé à un couple genre de me localiser avec localiser mon iPhone. Et du coup, genre c'était un couple allemand. J'ai essayé de me connecter pour localiser mon iPhone, sauf que en fait, il me demandait, comme c'était la première fois que je me connectais sur ce téléphone, il me demandait d'authentifier ma connexion avec un autre appareil. Mais je n'avais pas d'autre appareil, je venais de me faire voler mon tel. Du coup, bah, j'ai pas pu me connecter sur mon compte. Je suis montée dans le tram. Je suis rentrée à la maison en 10 minutes. J'ai pris mon iPad. J'ai mis localiser mon iPhone. Il était... Devinez où, les Montpelliérains. Allez. Devinez où le téléphone a été vu pour la dernière fois. Non, pas Payade. Non. Je fonctionne en arrêt de tram. Ça faisait 15 minutes que je m'étais fait voler mon téléphone. Et je fonctionne que en arrêt de tram. Parce que je connais pas encore assez bien Montpellier. Plan cabane. Localisé pour la dernière fois à plan cabane. Et voilà. Donc du coup, la personne était très probablement dans mon tramway. Et où dans le tramway juste avant. Dans le tramway juste avant. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? En fait, entre-temps, il a été mis éteint. Il est éteint maintenant. Et du coup, j'ai juste, grâce à localiser mon iPhone... Mais tu vois ? Ça, c'est pas très ratus. Je suis trop contente de... Attends. J'ai envie de crever. Attends, il a... Saint-Denis. On est où là, Montpellier-Saint-Roch? Attends, où est le Jiffy là? Il a bougé. Mais non, c'est impossible. Ils m'ont dit que... Ouais, il a bougé. En vrai, c'est trop bizarre. En gros, je vous explique. Il est devant la poste. Je pense qu'il va partir loin. Genre, en gros... Alors, j'arrive plus à retrouver le Jiffy. Mais genre, il y avait plan cabane. Voilà, il était à plan cabane. C'est ciao. Il était à plan cabane. Et là, c'est étrange parce qu'en fait, j'avais dit me prévenir en cas d'oubli. Mais en fait, c'est trop bizarre parce que d'un côté, il a été éteint. Genre, je suis sous messagerie directe. De l'autre... Il a été vu il y a 3 minutes en face de la poste. C'est bizarre, non? En mode avion, sinon? Ah, peut-être. J'ai pas de AirTag. Hein. Ils sont localisables même éteints maintenant.
Bah en tout cas, il a été localisé en face d'un Western Union et en face de la poste. So long! Appelle la poste, ils peuvent mettre le colis de côté. Mais comment ils peuvent savoir ce que c'est? Comment ils peuvent savoir ce que c'est, Geek Fabula? Merci Manon. À poil! Pour les 5 subgifts, merci beaucoup. Mais j'ai pas de téléphone. Mais il est éteint mon téléphone! Il est éteint mon téléphone! À la poste, tu donnes ton numéro de tel et avec le RFID, ils peuvent le retrouver. Non, mais j'ai fait la pré-plainte déjà. J'ai fait la pré-plainte. Attendez, donnez des informations que si vous êtes sûr là. Dites pas n'importe quoi. Genre là, il n'y a aucun moyen de savoir ce que c'est en fait. Salut Calcifior. Oh bref. Si, il y a la fonctionnalité émettre un son, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, mon téléphone est éteint. Donc du coup, ça n'émet pas de son en fait. Son en attente? Mais non. Ça fonctionne même éteint? Le émettre un son? Sérieux? Mais non. Attends, si je clique sur émettre un son... Attendez, le téléphone gate. Go à la poste. Ben moi, je le vois devant la poste, là. Mais il peut bouger, enfin... Go à la poste, mais... Genre, je suis là, là, je suis en live avec vous. Qu'est-ce que je fais? On vit un truc de fou en direct. Mais non, mais ça n'a aucun sens de faire ça. Émission d'un son. Mais l'émission, ça fait émission d'un son. Ok. On peut les appeler? C'est la poste de... Ça ferme bientôt, non? En fait, je l'ai mis en mode perdu. Donc du coup, ça m'a désactivé Apple Pay, ça m'a désactivé tout ça. Ça m'a désactivé... Je peux pas faire de live IRL, j'ai pas de téléphone, concentrez-vous. Ça m'a désactivé Apple Pay et tout. Je l'ai mis en mode perdu, genre. C'est la poste qui est rue Rondelet. Attention, pickpocket. Ferme bientôt, 18h. Bah ouais, mais ils ont pas de ligne. 36-31, service ça, gratuit plus prix d'un appel. Gratis. Merci LexiWi pour le Prime, merci beaucoup. Vous pensez que entre le... Il est devant la poste. Il est plus devant la poste que... Devant, Attends, regarde. Alors... Ah, vous allez pas. Il est plus devant la poste.
plus devant la poste que devant le Western Union. Vous pensez qu'il est où? Vous pensez qu'il est à la poste ou au Western Union? Merci Riga pour le 36e mois. Merci beaucoup pour les 3 ans. Merci Dune pour le 25e mois. Merci, je mets quand même la fête. Hein. Et dans le dépôt de lettres. Vous pensez vraiment qu'il a été envoyé tout de suite, genre? Je vois où est la poste, il y a des boîtes aux lettres. Genre, en fait, ça va grave vite. C'est pas précis, les GPS, c'est à 10 mètres près. Après, c'est quand même une drôle de coïncidence qu'il soit... Il a bougé, en fait. Pourtant, il est éteint. Mais genre, il était à plan cabane. Puis là, je le vois à la poste. Mais je le traque pas en direct, parce que comme je vous l'ai dit... Je le traque pas en direct, parce que comme je vous l'ai dit, il a été éteint. Tu veux qu'on aille le voir? Je sais pas, t'es à Montpellier, t'es pas loin, j'en sais rien. Si tu veux, je peux y aller, j'y suis en 10 minutes. Mais quoi? Mais Kamchi, t'es sérieuse? Ou sérieux, je sais pas. Appelle la police. Non, mais la police, faut pas croire qu'ils vont faire... Ok, on y va. Déjà, j'ai déposé ma pré-plainte en ligne. Déjà, j'ai déposé ma pré-plainte en ligne. Et ils doivent revenir vers moi par mail pour me donner un rendez-vous. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Hein. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Oui, je suis très sérieuse. Ben, en vrai... J'ai envie de dire... Oui, pourquoi pas? Après, attends, tu sais, je peux peut-être appeler la poste. J'ai ma cousine qui est là. C'est comme si qui va sauver la situation. Les détectives Ratus. Je vais essayer d'appeler la poste de Rondelet, ok? Mais vraiment? Vas-y, appelle pour savoir. Ça n'a aucun... Ah putain. Pour moi, ça sert à rien, genre. Vous pensez vraiment que ça peut faire quelque chose? Genre, Geek Fabula, là, t'es encore là ou pas? C'est toi qui m'as fait cette suggestion. Genre, quand je fais iPhone Carla et je clique. Déjà, j'ai mis me prévenir quand il sera localisé. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont prévenu. Et après, ils m'ont dit, j'ai mis marqué comme perdu. J'ai mis cet iPhone a été égaré, appelez-moi s'il vous plaît. Je vais plutôt mettre volé. Cet iPhone a été volé, appelez-moi s'il vous plaît, recevoir les notifications par mail. Et du coup, ça veut dire que ils ont désactivé toutes les cartes bancaires et tout, genre. Je sais que je suis safe pour ça, en fait. Il y a un cash converter à côté de cette poste. Il est peut-être là, le type. Bah, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, en fait. Mais vous êtes sûr que je peux appeler la poste Rondelet? Ils me disent 3631, service gratuit plus prix appel. Il attend tranquillement la prochaine levée. Vous pensez? Ça se trouve, la personne, elle passait juste par là à pied, hein. Putain, il a bougé, il s'est rapproché du Western Union, hein. Putain, mais t'es trop badass, Kamchi, là. Non, mais imagine, tu croises vraiment la personne qui... Genre, qu'est-ce que la personne peut faire au Western Union par rapport à l'iPhone? C'est quoi ce début de live? Ça n'a aucun sens. Genre, en plus, mon iPad, il est pas connecté. Genre, il est que connecté à la Wi-Fi. Donc, même si je le prends avec moi pour y aller, je le trouverai pas, quoi. Kamchi qui arrive en moto, mon idole. Attends. Calme. Uber bagarre. Là, je suis en train d'émettre un son. Ils me disent émettre un son, émission d'un son. Quelqu'un peut tester avec un iPhone éteint, savoir si la fonction émettre un son fonctionne ou pas.
Parce que Kamxi, on peut pas l'envoyer en moto à la poste pour rien, en fait. Il a bougé. Il a bougé. En fait, c'est ça. En gros, le fait qu'il soit éteint, il est pas capté en direct. Le fait qu'il soit éteint, il est pas capté en direct. Il est... Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres gens qui le savent ou pas. Mais ça actualise pas dès que tu fais un son. Je crois qu'il faut qu'il soit allumé pour faire du bruit. Ah, donc vous m'avez dit non, pas alors. Non, Jagger, attends, je vais pas envoyer quelqu'un au casse-pipe comme ça. Hein. C'est trop dangereux. Mais... Merci Sarge. Merci Sarge pour les 5 sub-gifts, merci beaucoup. Il a bougé, il est actuellement vers Saint-Denis. Au nord de Saint-Denis, sur le cours Gambetta, du coup. Mais c'est pas capté en direct, hein. C'est pas capté en direct parce qu'il est éteint. C'est pas très ratus. Genre, vous voyez ? En fait, genre quand il est allumé, il est vert. Genre là, par exemple, je localise mon iPad et mes AirPods, par exemple. Donc, je reprends ce que je disais, du coup. J'ai pas de voiture. Non, mais je pense que d'une, tu as raison, je pense que je peux lui dire adieu. Mais oui, clairement, faut pas y aller. Si la personne, elle est toujours en possession de cet iPhone... Ça sonne pas éteint. Ok. Bon bah ça sonne pas. Vous m'avez dit non, ça sonne pas. Merci Kamxi, c'est trop gentil. Mais ça sert à rien du coup parce que je le vois encore bouger là. Donc ça sert à rien. Et non, appeler la police, ça sert à rien. Vous avez jamais vu la vidéo de Cyprien où il dit qu'il se fait voler son Mac? Vous l'avez jamais vu cette vidéo où il dit genre ouais t'as l'impression que tu vas appeler la police et que la police va être en mode ok on arrive tout de suite non genre la vérité c'est alors quand est-ce que ça s'est passé messieurs dames genre c'est vraiment ça la vérité hein, c'est bref enfin c'était pas il y a 10 ans le vol du Mac mais si mais ça n'a pas évolué t'as cru vraiment que la police allait envoyer une brigade à la recherche de mon téléphone je l'ai dans le cul c'est tout hein. Donc, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc, c'était pas un vol en mode... on m'a pas agressé, quoi. Juste, quelqu'un a fait diversion, je me suis tournée, plus de téléphone. Et... qu'est-ce que je voulais dire? Mais j'apprends à relativiser, puisque de toute façon, j'apprends à relativiser depuis longtemps maintenant. J'apprends à relativiser, j'ai fait la liste des points qui vont m'aider à relativiser. On l'a fait ensemble, comme ça on relativise ensemble et vous m'aidez. Ok. Point numéro 1. Je ne me suis pas fait voler mon sac à main entier avec mes clés, mes AirPods et mon téléphone. Je me suis fait voler mon téléphone, mais je ne me suis pas fait voler mon sac à main entier avec mon sac à main qui coûte cher quand même, parce que c'est un Vivienne Westwood. Mes clés. J'avais pas mes papiers d'identité, donc c'est pour ça que je ne me sers pas de cet argument pour relativiser. J'avais pas mon portefeuille, j'avais pas mes papiers d'identité. J'avais juste mes clés, mes AirPods, mon sac Vivienne Westwood et mon gloss Fenty, non négligeable. Salut Estuga, merci pour les 100 bits, merci beaucoup. Voilà. Ensuite, deuxième point. Ce n'est qu'un téléphone, ce n'est que quelque chose de matériel. J'ai la santé, je ne me suis pas fait agresser, je vais bien. Ok ? Troisième point. Il aurait été le voleur le plus hot de sa région. Troisième point. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que mon téléphone avait déjà 3 ans. On essaye de relativiser, d'accord ? Mon téléphone avait déjà 3 ans. J'avais pris la plus petite mémoire possible et du coup la mémoire était pleine depuis longtemps parce que l'OS de l'iPhone prend beaucoup de place et du coup j'étais tout le temps en train d'être obligée de supprimer des applications et des photos
parce que j'avais pris que les 60 gigas et qu'en fait ça se remplit assez vite. Et du coup, j'étais tout le temps en train de galérer avec le stockage de mon téléphone. Voilà. Quatrième point, cinquième point, je sais plus où j'en suis. Donc, c'est pas qu'il était temps de changer. Genre, en gros, je m'étais dit, bah, s'il casse ou s'il lâche, bah, je pourrais changer. Mais en vrai, c'était pas mon genre de... C'est pas mon genre de changer de téléphone pour changer de téléphone, quoi. Quatrième point, mes données sont sur des clouds. Mes photos sont sur des clouds. Voilà. Cinquième point, mon téléphone, c'est mon outil de travail. Je peux le payer avec mon entreprise. Mon entreprise ne paye pas de taxes et je me fais rembourser la TVA, en fait. Donc, du coup, ça sera moins cher. Je crois qu'on a listé les 5 points qui me font relativiser le vol de mon téléphone. 5, maintenant tu vas mettre un cadenas Vivienne Westwood à ton sac. Maintenant, je vais quand même faire la liste des trucs négatifs. Ça me pète les couilles de racheter un téléphone parce que franchement, il était encore en bon état. C'est vrai qu'il avait des problèmes de batterie et tout, mais bon, il était là, enfin, il marchait quoi. Je peux faire un 6e point positif. Il y avait des micro-rayures sur mon appareil photo, pas selfie, l'autre côté. Et du coup, beaucoup de mes photos étaient un peu floues, troubles, etc. Mais pareil, j'aurais jamais changé de téléphone juste pour ça, donc voilà. Et deux points négatifs. Deuxième point négatif, j'ai ma photo avec Clara Ascali derrière. On a prise toutes les deux à Amiens. Mais ce point négatif est automatiquement relativisé parce que je vois Clara en septembre. Et du coup, obligé, on prend une photo à ce moment-là, toutes les deux, pour remplacer cette photo. Donc ce point est annulé, c'est officiel. Ok ? Voilà. Mais vous savez que j'y ai pensé direct. Direct, je me suis dit, putain, c'est une photo Polaroid à l'arrière de ma coque avec Clara à l'intérieur. Ouais, ouais, mes photos sont sur un cloud. Ouais, ouais. C'est bien de relativiser comme ça, j'arrive pas à le faire comme tu fais. Mais on est obligé. On est obligé, les potes, hein. Sinon, on se prend la tête, hein. C'est ça, le truc, hein. Vous savez, c'est trop bête ce que je vais dire. Je pense qu'il y en a certains qui vont trouver ça agaçant. Je suis désolée si c'est le cas. Mais la vérité, c'est que t'arrives à tout relativiser. Et que quand t'y penses pour de vrai, un vol de téléphone, c'est rien face à genre une maladie, un proche en difficulté, genre c'est tellement que dalle quoi que moi perso quand je suis dans une situation compliquée, merci beaucoup Manon pour les 5 subgifts, je peut-être que ça va agacer des gens dans le chat, mais parce que vous allez dire genre elle a ce discours pour un iPhone volé, mais justement en fait, en gros personnellement quand je suis dans une situation compliquée, ou que genre j'ai un membre de ma famille qui est très malade, gravement malade, ou des trucs comme ça, je sais pas vous, mais moi perso quand il m'arrive ça, mon cerveau, j'arrête pas de me dire, je donnerais n'importe quoi en l'échange de la bonne santé de mon proche, genre je m'en ficherais de perdre mon téléphone, de noyer mon setup, de genre je m'en bats les couilles, tu vois, juste pour la santé de cette personne. Du coup parfois j'y repense, tu vois, je suis en mode mais de quoi je me plains, il y a tellement plus grave que... Genre, en fait, quand il t'arrive un truc qui est vraiment hyper grave, à toi ou à ta famille, j'entends, tu te dis, je donnerais n'importe quelle situation compliquée en échange de celle-ci, tellement que c'est la pire. Du coup, après, quand il t'arrive des trucs mineurs, bah, tu te dis, c'est rien, en fait, face à ça, quoi. Perso, je me dis qu'en plus de la personne qui va mal, il m'arrive ça, mais je suis comme ça, je ne changerai pas maintenant. Bah, c'est un peu bête de se dire je changerai pas maintenant, quoi, non? Mais, enfin, voilà. Après, au prix de l'iPhone, j'aurais lâché une larme. Mais oui, mais justement, moi, j'essaye de relativiser en mode c'est que 1000 balles, et puis, genre, je paye avec mon entreprise, avec le chiffre d'affaires de mon entreprise. Et puis voilà, il y a des pépins dans la vie, c'est comme ça. Il y a des imprévus, il y a des... Genre, regardez, j'ai pas de frais. Genre, je paye pas mon ordi.
Je paye pas mon setup. Je paye pas. Je paye rien en fait. Ça, c'est pas très gratuit. Merci Erniam pour le Prime, merci beaucoup. J'ai une fonction où on m'offre tout, mes déplacements, mes. Genre, je suis bien payée, j'ai des sous, je peux me racheter un téléphone quoi. Genre, Ruru qui s'est fait péter sa caisse il y a 2 semaines, je ferais moins la maline, tu vois. Ouais, c'est ça, j'aurais pu le casser, j'aurais pu. Il avait déjà 3 ans. Je crois qu'il avait plus que 3 ans même. Je crois qu'il avait plus que 3 ans parce que. Attends. Je check un truc. Mais oui, je le rachète avec la boîte de l'entreprise. Donc, je l'ai acheté en... C'est l'iPhone... Attendez, je suis pas très au fait. Moi, en général, quand j'achète un téléphone, j'achète le dernier iPhone parce que je suis en mode... c'est mon référentiel depuis que je suis ado... enfin, depuis que je suis au lycée... Et, mais je fais ça, pas attention pas au gratis. Modèle ou quoi, et genre je change quand il meurt quoi. Je change pas en mode, je change parce qu'il y a le dernier qui est sorti. Je change quand il est dead. Merci Ino Was Taken pour le 16e mois, merci beaucoup. Genre celui avant mon iPhone que j'avais là, celui avant mon iPhone que j'avais là, je l'avais filé à mon oncle pour qu'il le ramène dans la famille en Tunisie pour que ça fasse, pour qu'il puisse le filer à un cousin. Donc vraiment je m'en balais hein, c'était pas ça le... Genre là, si j'avais dû changer de téléphone, je l'aurais donné. Je m'en balais, c'est pas ça le truc. Je crois que c'était un iPhone 12. Attends, je regarde. C'était lui, ouais. C'était lui en vert. Donc, avec 64 gigas. Voilà. Quand tu es aisé, il est plus facile de relativiser. C'est un peu moins évident quand on n'a pas les moyens. Mais j'adore ta manière de lister les points positifs. Bah, non, mais bien sûr, Lily Somi, je l'ai pas dit explicitement, mais j'aurais dû le lister dans les points, mais c'est... Genre, j'ai un travail qui me permet de me payer ça et de couvrir ce genre de pépins, quoi. Bah, surtout que je suis chanceuse, nous, les streamers, on paye pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de frais. Donc, même parfois, t'es en mode, il faut que je trouve des trucs à soustraire de mon compte bancaire pour éviter de payer trop d'impôts. En mode, il faut que j'achète des trucs parce qu'on achète ni nos PC, ni nos écrans. C'est pas très gratuit. Ni, genre, l'iPad, je l'ai acheté avec l'entreprise. Enfin, tu vois, merci Tim Tim pour le 4e mois. En plus, je me suis même pas fait voler mon sac. Donc, mais même les jeux, je les paye pas. Enfin, je veux dire, faut genre, un reconditionné, ça te tente. Ah ouais, je... Oui, grave. Bon, moi, je m'en fiche un peu, hein, Camille, trop honnête. Moi, tant que c'est un iPhone, parce que du coup, j'aime bien l'OS et genre, je suis habituée, je trouve que c'est fluide, etc. Bah, moi, ça me va, quoi. En général, j'utilise mes téléphones jusqu'à ce qu'ils crèvent, qu'ils se cassent ou qu'ils... Bah, j'allais dire qu'ils se fassent voler, mais je me suis jamais fait voler mon tel avant maintenant. Donc, ouais... Par contre, les papiers à refaire... Mais là, il n'y a rien à refaire, non? Il n'y a rien... Toujours... Ouais, il est toujours là, ouais. Vol de mon téléphone dans ma poche de veste dans un magasin à Châtelet. Comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Tout d'un coup, j'entendais plus le son du live que j'écoutais dans mes AirPods. Je fouille ma poche et je comprends de suite. Grosse panique, envie de pleurer. J'avais pas enregistré sur mon ordi toutes mes photos. Ah, c'est trop bête. Bah... Est-ce que... Photo... Attendez. Où est-ce que... Quand est-ce que j'ai fait la connexion avec Google Photo pour la dernière fois? Hop. Les dernières photos qui ont été connectées datent du 28 juillet. Donc j'ai perdu de la merde. Genre j'ai vraiment perdu des trucs, on s'en fout, tu vois. Tu dois avoir sur ton iPad. Non, parce que j'ai fait exprès de pas connecter mon iPad et mon téléphone parce que tu sais mon iPad, ça, je le... C'est pas très gratuit. Mon iPad, je l'utilise en live Geek Fabula et du coup j'avais pas envie que malencontreusement j'ouvre mes photos et qu'il y ait des trucs perso. Enfin que mes photos, c'est des trucs perso de toute façon.
s'affiche en live. Donc j'avais fait exprès de voilà. Donc les dernières photos à date, c'est moi au FanFest. Donc en fait, j'ai pas d'assurance téléphone. De toute façon, je regrette pas de pas en avoir pris, honnêtement. Je pense que depuis le temps que j'ai des téléphones et que je prends pas d'assurance, c'est large le montant que je vais dépenser pour ce téléphone qui a déjà 3 ans anyway et qui avait plus de gigas et qui avait des problèmes de batterie et tout. Je pense que moi, je suis une fervente défendrice. Perso, je trouve que les assurances, c'est de la merde. Je parle pas des assurances qu'on est obligé d'avoir. Je trouve que les assurances téléphone, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde pour le coup. Je trouve que c'est vraiment des voleurs, honnêtement. Depuis le temps que j'ai des téléphones et que tu te fais pas voler ton tel, en pratique, tous les jours non plus, je pense que c'est large le prix que d'un nouveau tel, tu vois. Je trouve que c'est vraiment une énorme douille. Je sais qu'il y a des gens qui sont très rassurés à l'idée de prendre des assurances, etc. Et je le comprends si ça vous rassure, si ça vous... Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Mais personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était de la douille. Et je pense sincèrement que depuis que j'ai des tels, donc depuis que j'ai des smartphones et que je paye moi-même mes trucs, ça fait depuis que j'ai 20 ans. Je pense vraiment que j'aurais perdu à demander une assurance, hein, vraiment. Je trouve que c'est vraiment du vol, quoi. Je pense que ça vaut le coup si tu l'as acheté le mois dernier, hein. Mais là, au bout de 3 ans, je l'aurais revendu pas grand-chose. Je pense que je l'aurais gardé un an de plus, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une douille, sauf si tu le perds tous les 3 mois. Mais bon, en pratique... Je me suis fait voler 4 téléphones en 3 ans. Ouais, mais Altruid, tu fais quoi? Enfin, non, désolé, mais ça arrive de se faire voler des trucs et tout, mais 4 fois en 3 ans, JPEP, tu travailles dans une gare? Tu travailles dans une gare ou à Venise? Attention, les pickpockets! Tu le poses sur des bancs et tu vas faire pipi, ou tu bois des coups en terrasse avec le téléphone sur la table. Dans le métro, ça va super vite, je sais. Salut Vivi. C'était Sylvain Trinel qui s'était fait voler son téléphone dans un métro et qui avait fait toutes les démarches et qui, au final, avait été rappelé parce que le téléphone avait été trouvé dans un camion qui avait été perquis. Voilà. Non mais après, j'ai la pire poisse du monde. Ils me l'ont même volé dans ma poche une fois dans un train, j'ai pas compris. Oh, j'avoue là, c'est vraiment de la poisse, hein, Altruid, en quel enfer. Je serais tellement en stress, mais le truc c'est que ça sert à rien d'être en stress. Je sais que c'est facile à dire, mais la vérité c'est que ça sert à rien d'être en stress. C'est qu'un téléphone, il y a pire dans la vie. J'essaye de relativiser. Évidemment, ça me fait chier. Évidemment, j'aurais aimé ne pas avoir ça et récupérer mon téléphone. Évidemment que là, si on m'appelle, je suis trop contente parce qu'on l'a retrouvé, tu vois. Mais pour autant, shit happens. Ça m'arrive pas souvent, ce genre de déboire. J'ai jamais de problème dans ce genre. Donc, ma foi, c'est pas comme si... tu sais, bon, alors, ça se trouve, c'est le commencement, mais... Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais en gros, je serais déjà en train d'en acheter un. Bah, moi aussi, mais je live, du coup. Mais oui, moi aussi. Mais je sais pas si vous êtes au courant... Enfin, je sais pas si vous avez ça aussi, mais parfois, il se passe des trucs et en fait, tout s'enchaîne dans le sens négatif. Vous savez, quand on tombe dans une spirale de négatif, je perds un chèque, into... la CAF me demande des sous parce que j'ai pas déclaré un truc sans faire exprès... Into, je loupe un rendez-vous important. Into, je perds mon téléphone. Into, voilà. Ça, typiquement, quand ça m'arrive, je suis au fond du seau, c'est horrible. Et je suis en mode, sortez-moi de cet enfer, tu vois. Into, ma voiture tombe en panne. Into, voilà. Donc, à moins que ce vol de téléphone sonne le début des problèmes, je touche du bois, mais à moins que ce vol... sonne le début des problèmes,
Ben en vrai, ça va quoi. J'ai pas de merde en ce moment qui me saoule ou qui me cause du souci, tu vois. Donc c'est ok. J'ai perdu un seul tel de ma vie, mon premier que j'ai payé seul, ça faisait à peine 6 mois que je l'avais, je l'ai perdu en festival juste au moment où le site fermait, j'avais le seum, ma pote bourrée. Ah, et ma pote bourrée à gérer, putain, l'enfer. Mais ouais, c'est ça, c'est le vortex du merdier. Bah en vrai, je touche à nouveau du bois, ça fait longtemps que j'ai pas été dans un merdier comme ça, donc ça me va. Et du coup, je viens de check Google Photos. Et en fait, les dernières photos à date datent du 28 juillet quand j'étais à Vegas et que je suis allée au FanFest. Et en vrai, après ça, j'ai pas du tout pris de photos importantes. Aucune. Donc, les photos que j'avais à Vegas, je les ai envoyées sur la conversation de ma famille. Et les photos du musée du Néon. Les photos de Mizu et moi, je les ai envoyées à Mizu. Et les photos... et c'est tout, en fait. Voilà. Donc vraiment, il n'y a aucun impact par rapport aux photos, pour le coup. Et sinon, j'ai toutes mes photos depuis le jour où j'ai eu un iPhone, quoi. Ah putain, c'est la nif de mon oncle aujourd'hui, attendez. Je vais pouvoir lui dire, j'ai pas de téléphone, donc je peux pas t'appeler. Ouais, donc faites attention à vos affaires, hein. J'aurais jamais laissé mon sac ouvert comme ça, hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Coucou, la non-gynécologue. Ce genre d'histoire me rappelle la fois où, après une nuit blanche, j'allais prendre le RER. J'étais au fond du seau de fatigue. Il y avait beaucoup de monde autour de moi. Je sens qu'on me tire sur la poche. Je vois un mec en flag en train de voler mon tel. J'étais tellement au bout que je l'ai juste engueulé comme si j'étais sa mère. Du coup, il me l'a rendu. Mais tu sais qu'il arrive des trucs comme ça. Genre... J'ai une copine qui s'est fait voler son téléphone quand elle était dans le métro et en fait dans le RER A. Je sais pas si vous voyez, il y a deux sièges face à face. Dès que tu rentres et que tu descends les escaliers, elle était dans un de ces sièges. Du coup, il y a un mec qui lui arrache le téléphone et qui part en courant le temps quand les portes sonnent. Et elle hurle tellement fort qu'il panique, le gars panique et il lâche le tel. Voilà. Donc, il s'est passé ça pour elle. Donc, ça m'étonne pas ce que tu me dis. Est-ce que mon iPhone a bougé de place? En fait, oui, il a un peu bougé. Il est toujours vers Saint-Denis, quoi. Il est toujours vers Saint-Denis. Après, j'avoue, je comprends pas trop cette localisation. Dans le sens où, comme je vous l'ai dit, mon téléphone est éteint. Donc, je comprends pas pourquoi il bouge encore. Tout à l'heure, vous me disiez, il est encore localisé quand il est éteint, mais vous me disiez aussi que ça sonnait quand on mettait émettre un son, donc je sais pas quoi croire. Et sinon, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure me dire, est-ce que t'as porté plainte, est-ce que machin? Oui. J'ai tout de suite, dans les 15 minutes, vraiment, je suis rentrée chez moi très vite. Dans les 15 minutes, j'ai pris mon iPad, j'ai marqué mon téléphone comme perdu, j'ai mis cet iPhone a été volé, appelez-moi, j'ai mis un numéro de téléphone, j'ai mis recevoir les notifications par mail. Du coup, par mail, j'ai reçu un mail qui me disait que Apple Pay avait été désactivé de mon téléphone. Apple Pay a été désactivé sur l'appareil iPhone Carla à 5h. Alors oui, c'est parce qu'en fait, j'ai relancé le mode perdu une deuxième fois. C'est pour ça qu'ils disent 5h. Voilà, vous ne pourrez plus utiliser votre carte pour effectuer des paiements avec Apple Pay. Donc, c'est le seul truc qui craint sur ce téléphone. Et après, j'ai posé une pré-plainte sur le site de la police au commissariat de Montpellier. J'ai un numéro de demande. Ils me disent qu'ils m'enverront un mail quand... Ouais, c'est ça. Ils me disent qu'ils m'enverront un mail quand ils auront un créneau pour un rendez-vous. Voilà. Le numéro email, ça permet de bloquer le téléphone à tout... Autre carte SIM. Ah, comment on fait, Blandine? Ben, moi, jusqu'à aujourd'hui, Snow Lyonnaise, je m'étais jamais fait voler mon téléphone de ma vie. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Avec l'email, il y a moyen de récup.
C'est chaud de voir la localisation. Elle est pas en temps réel. Elle est pas en temps réel, la localisation. Parce qu'il a été éteint. Non, j'ai pas effacé les données de l'iPhone parce que j'attends un peu au cas où. De toute façon, je l'ai mis en mode... Comme je vous l'ai dit. Je l'ai mis en mode perdu. Voilà. Donc, le mode perdu. Je l'ai mis en mode perdu. Et après, je peux effacer l'appareil et ou supprimer l'appareil. Donc... Il faut pas supprimer l'appareil, il faut effacer l'appareil. Tout le contenu et les réglages seront effacés lorsque cet iPhone se connectera à Internet. Si le réseau localisé est activé, vous pourrez continuer à localiser cet iPhone. Voilà. Donc je pense que j'attends un peu pour voir. Et ensuite, j'effacerai mon iPhone. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ben, j'ai bloqué Apple Pay et c'est le seul truc qui me met dedans parce que par rapport au compte bancaire, j'ai 1 milliard de sécurité sur mes comptes bancaires. Donc... Pour le coup, c'est good, quoi. Et non, j'ai pas fait bloquer la ligne par l'opérateur, pas encore. Pas encore, pas encore. De toute façon, il est éteint, mon téléphone, là. Il est éteint. Mais par contre, c'est marrant parce que moi aussi, vis-à-vis de la vidéo de Cyprien, je pensais que quand tu effaçais le téléphone, ça bloquait la localisation. Mais là, ils me disent... qu'on peut continuer à localiser l'iPhone si le réseau localisé est activé, donc... Ah oui, le voleur, il va juste le revendre, hein. Le voleur, il veut rien faire de mes données, hein. Le voleur, il va juste le revendre, hein. C'est ce qui va se passer, hein. Oui, je sais, j'ai vu Devil Jean. J'ai vu effacer l'iPhone, ça efface ce qu'il y a dessus. Supprimer l'iPhone, ça veut dire que, genre, au contraire, faut pas faire ça, parce que si quelqu'un le retrouve, il peut le réutiliser normalement et tout, quoi. Ah, je viens de regarder sur le site d'Apple et la localisation fonctionne même téléphone éteint. Comme les AirTags, c'est-à-dire lorsqu'il passe près d'un autre iPhone, il donne sa nouvelle localisation. Ok, donc c'est pour ça qu'il bouge, ce petit bâtard-là. Putain, quel gros bâtard. Il est encore cours Gambetta, hein. Genre, il zone, en fait, hein. Il est encore vers plan cabane, hein. Genre, le gars, il va rester là... Là, il est en face des délices de Gambetta et de Arcoiffure. Le truc, c'est qu'en mode perdu, il est mort, l'iPhone, tu peux rien faire avec. On y va, Nio. Je deviendrai folle, je passerai ma vie à regarder la loc. Mais en fait, elle n'est pas en temps réel. Donc du coup, c'est pas comme si je pouvais le tracer. Genre, tu sais que si je pouvais le tracer, j'y serais allée, hein. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Si je pouvais le tracer... et que je pouvais le faire sonner, j'y serais allée parce que la vérité, c'est que je m'en branle. Mais il est éteint et je ne peux pas le faire sonner. Donc du coup, ça ne sert à rien. Quand je me suis aperçue que le téléphone sonnait, j'ai regardé instantanément autour de moi. Mais on est dans une gare, il y a tellement de gens. Genre, tu peux pas savoir qui te l'a pris, tu vois. Salut Zork, ça va et toi ? Salut Pixaura. Donc voilà, écoute, je sais pas si t'es encore là, Kamxi, mais merci beaucoup tout à l'heure pour m'avoir proposé ton aide, c'est vraiment très gentil. D'ailleurs, j'ai vu ton petit message, hein, je vais te répondre. Juste, j'attendais de pouvoir te formuler une réponse correcte. Et tu n'as pas tes identifiants pour tes réseaux sociaux sur ton téléphone, tu n'as pas peur qu'on te vole tes accès? Non, je pense pas. Le téléphone est éteint. Je pense pas qu'on se connecte à mon téléphone et que quelqu'un aille sur mon Twitter. Franchement, je pense pas. Je pense que ce téléphone a été volé pour être vendu. Si tu y vas avec un pote qui a un iPhone et que l'iPhone se lock sur celui de ton pote, t'auras une localisation plus précise. Ouais. Ça me paraît un peu compliqué, genre de errer dans Montpellier avec un téléphone, enfin, ça me paraît pas très... Pour le coup, je pense que c'est assez sécurisé, mes données, tu vois. Putain, je sais même pas si je t'ai remercié, Sarge, dans le... Est-ce que je t'ai remercié, Sarge ? Je suis désolée, comme j'étais un peu dans mon truc, là, j'ai même pas capté si je vous ai tous remercié ou pas. Merci, je suis désolée. Je
pensais à plein de trucs en même temps. Bon, voilà, après, on relativise, quoi. Ça, c'est pas très gratuit. Merci à l'Ananis pour le 29e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. En plus, des applis comme Discord permettent de déconnecter tous les appareils connus. C'est pratique. Non, mais oui, vraiment, je me fais pas trop de soucis pour ça. Moi aussi, j'étais à fond. Bah, je comprends. Moi aussi, j'aurais été à fond. Attendez, je souhaite l'anniversaire à mon oncle. Coucou, joyeux anniversaire. C'est pas grave, mais un peu relou. Oui, voilà. Par contre, je me fais bouffer par un moustique, là. Je vais aller chercher la prise. Mais oui, pour moi, c'est pas mes données... C'est pas mes données qui veulent. Du coup, je voulais savoir si tout le monde allait bien depuis Vegas, mais je suis tombée au mauvais moment. Ouais, ouais, ça va. Ça va, ça va. Salut, Jujucube. Je vais aller chercher la prise, parce que là, je me fais trop, trop défoncer... par les moustiques. Du coup... Hop. C'est mignon, mais genre, je viens juste de capter que j'ai des... Genre, je viens de recevoir un message sur Twitter de quelqu'un qui, gentiment, m'a dit « Hello iCloud.com, localisé. Le mec l'a certainement éteint, mais tu sais pas, d'un coup, si t'as une bonne étoile, tu as un mode perdu dispo. » Courage! C'est mignon, mais quand même. Ça me fait un peu penser aux gens d'Orange qui te demandent de reboot la box quand tu as un souci. Genre, mais merci, c'est très gentil. Par contre, tu vois, c'est dans ces moments-là quand même où tu regrettes pas d'avoir fait les démarches pour localiser ton iPhone et tout, tu vois. Genre, moi, j'ai des potes. Parce qu'en fait, en gros, je suis tellement maladroite que je perds souvent mon téléphone chez moi. Genre, je l'ai pas perdu, mais genre, tu sais, je l'ai posé quelque part, genre, et je suis en mode merde. Où est-ce que je l'ai mis déjà? Du coup, je me sers beaucoup de l'application localiser mon iPhone pour tout simplement faire sonner mon téléphone et retrouver mon téléphone posé dans un placard de mon armoire parce que, en fait, je prenais un t-shirt et j'ai posé le tel et je suis partie et j'ai fermé mon armoire et je suis en mode, mais où est-ce que je l'ai mis, putain de merde? Et du coup, bref, j'utilise beaucoup cette application de mon manoir, bien sûr, faire sonner mon téléphone pour le trouver comme ça. Donc c'est dans ces moments-là que tu te rappelles, que tu te dis c'est bien que j'ai tout config, parce que moi j'ai des potes à qui j'ai déjà dit « Ah bah attends, t'inquiète, on va le faire sonner de force et tu le retrouveras », et qui ont dit « Ah mais j'ai jamais config localisé mon iPhone », et là je suis en mode « Gros ». Tu peux pas me dire ça. Genre, vraiment, c'est trop... Enfin, friendly reminder, si vous avez un téléphone iPhone, parce que je sais pas comment ça marche sur les autres OS, mais activer, localiser mon iPhone. Hein. Vraiment. Parce que je pense que sur Android, ça se fait aussi, oui. Mais en tout cas, si vous avez un iPhone, l'application s'appelle localiser mon iPhone. Faites-le tout de suite. Parce que sinon, vous vous en voudrez le jour où vous devrez vraiment le localiser. Genre là... Au final, ça m'a servi à rien. Genre, ça m'a servi à rien. J'ai juste vu que le téléphone, il a été éteint. J'ai activé le mode perdu. Bah si, ça m'a servi à quelque chose au final. Puisque j'ai pu activer le mode perdu, désactiver ma carte avec Apple Pay. Donc, au final, ça va. Même si je l'ai pas retrouvé grâce à la localisation, genre, j'ai pu désactiver quand même le fait que j'ai mes cartes, je l'ai passé en mode perdu, etc., etc. Ouais, je me suis fait voler mon téléphone, je suis deg, Jim. À la gare, j'étais avec Raton et tout, je suis dégoûtée. Mais moi, ça va. Genre, j'ai pas vu la personne qui m'a volé mon téléphone. Enfin, je crois pas. Genre, en gros, on était à la gare, je lui dis « Ah, c'est le quai A ». Elle fait « Oui ». Elle s'avance et il y a une dame avec son chien en laisse. Et le chien passe du mauvais côté, genre, tu sais, je reçois la laisse sur mes jambes, quoi, en mode le chien a pas compris que j'étais là, et qu'il y avait la laisse, pardon. Et du coup, je fais « Oh !» Je me retourne, je fais « Oh, pardon !» Et je regarde le chien, et genre, plus de téléphone dans mon sac ouvert et plus de téléphone. Du coup, ça s'est passé en une fraction de seconde, j'ai rien senti.
Et bref, j'ai local. Et du coup, je disais, heureusement que j'ai activé le truc localiser mon iPhone, parce que même si je l'ai pas retrouvé grâce à ça, j'aurais trop culpabilisé de me dire putain, j'aurais pu le localiser, si ça se trouve je l'aurais retrouvé. Enfin vraiment, je suis contente. Et en plus de ça, tu peux activer le mode perdu qui désactive automatiquement tes cartes bancaires qui sont sur ton tel, etc. quoi. Attention les pickpockets! Attention les borseggiatrici! Je me rappelle que tu l'avais perdu dans ton appart à Saint-Gerre, tu l'avais retrouvé avec ça. Oui, je me sers beaucoup de ça, moi. Parce qu'en fait, je suis un peu tête en l'air et du coup, je perds beaucoup mon téléphone chez moi. Genre, je le mets dans le frigo, je le mets dans un placard. Ah, monde de merde. Je vais juste chercher la prise anti-moustique parce que je me fais vraiment défoncer les jambes, là. Ah, d'accord, raton, c'est pour ça. Dans le frigo? Bah ouais, en rangeant mes courses, des trucs comme ça, ça m'arrive. J'arrive. Je suis vénère pour elle. Putain, mon bureau vient de s'ouvrir, j'arrive. Écoutez. Shit happen. On a déjà fait la liste de tous les points positifs à cette situation. Putain. Arrête de me piquer, c'est bon là. Oh. On a déjà fait la liste de tout ce qui était positif. C'est-à-dire, j'aurais pu me faire voler mon sac à main Vivienne Westwood à 370€. Mon gloss Fenty, ça c'est pour le fun. Mais genre j'aurais pu me faire voler mon sac à main avec mes clés, mes AirPods, genre ça m'aurait fait chier sa mère. On a dit 5 points positifs. J'aurais pu me faire voler mon sac à main avec tout ce qu'il y a dedans. Mon téléphone n'était pas tout neuf. J'avais des problèmes de stockage et de batterie. Donc c'est pas... Genre, j'allais le changer le jour où il allait mourir, genre dans un an. Donc, c'est pas si grave. Enfin, genre, c'est les arguments pour relativiser, ok? Je peux l'acheter avec mon entreprise parce que c'est mon outil de travail et du coup, ça me coûtera moins cher. Et en plus de ça, c'est toujours bien de faire marcher l'entreprise et de faire marcher les sous qu'il y a dessus. Ça, c'est pas très rapide. Merci Nagito Skater pour le troisième mois, merci beaucoup. J'ai dit... que c'était fait sans violence physique, que du coup j'étais en bonne santé et que je m'étais pas fait agresser. Et après, j'ai dit que la caméra de derrière était un peu rayée, que c'était pas un argument suffisant pour le changer sur le moment, mais que du coup ça me faisait chier parce que quand même c'est mon outil de travail et que sur certaines photos ça me posait problème. Donc, shit happens. Et j'ai toutes mes photos sur les clouds et compagnie, quoi. Donc du coup, maintenant, faut juste que je vois avec SFR, non, maintenant? Qu'est-ce que je dois faire, là? Je commande un nouveau téléphone et je préviens SFR, hein, je crois, hein, c'est ça. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive, donc... Non, j'ai pas d'assurance pour le vol, mais en vrai, franchement, comme je vous l'ai dit, les assurances pour les vols de téléphone, c'est trop des voleurs, hein, franchement... Je regrette absolument pas. Les assurances pour les vols des téléphones, c'est bien si c'est bien si tu te fais voler ton téléphone tout le temps, comme je ne sais pas, Altruite dans le chat.
Ou alors c'est bien quand tu t'es fait voler ton téléphone que t'as acheté il y a 2 mois et que voilà, tu vois. Tu veux qu'on l'achète maintenant ? Non, non, je ferai ça à tête reposée, Amy. Genre, pour être sûre. Et l'assurance de ta CB ? Je me suis pas renseignée, je peux me renseigner, mais je me suis pas renseignée. Appeler SFR, ils pourront bloquer la ligne et te donner le numéro email. Numéro unique qui identifie le matos pour la plainte. Ok, mais j'aimerais bien garder mon numéro de téléphone, donc j'espère que ça va pas me faire changer de numéro de faire ça. Ouais, je vais envoyer un mail hein, à ma banque, hein, bien sûr. Bon, là, c'est fermé maintenant, donc c'est trop tard, mais... Mais demain, je me charge de ça, quoi. Non, tu vas le garder. Ok, nice. Ça reste du bien matériel, rien de grave. Ça reste embêtant de savoir que tu peux rien faire, ouais. Et j'ai déjà fait la pré-plainte et tout sur Internet, là, avant de lancer. Merci, PassGetty, pour le 9e mois. Merci pour le bébé Ratus. Donc non, j'ai pas encore fermé ma ligne. Je suis en train de lire 47 cordes, j'en suis à la page où un perso dit « Je me suis fait tabasser par des petits cons, ils m'ont volé mon téléphone. » Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le personnage se fait voler son téléphone à un moment. C'est vrai. Spoil. Next step, c'est porter plainte. Donc ça, c'est déjà fait. Maintenant, il faut juste qu'il me rappelle. Enfin, la pré-plainte est faite, il faut qu'il me rappelle. Et aller à ton opérateur pour récupérer une carte SIM. Tu peux conserver ton numéro de ligne. Ouais, voilà, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Bon. Et dernier argument que j'ai lu dans le chat, qui est un argument rigolo, ça va me faire un super best of YouTube. Incroyable. Et l'update des BD prêtés. Oui, vous avez dû voir passer. Si vous étiez en live hier, je vous ai dit « Ah putain, je crois que j'ai prêté 2 BD à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui. Je suis même pas sûre de les avoir vraiment prêtés ou de les avoir juste perdus et tout. » Et donc, j'ai fait une story Insta hier soir où j'ai dit « Appel à témoins, si vous avez reçu ces 2 BD. » Attends. Hop. J'ai mis... Ah. Il n'y a plus de musique ? Ok. J'ai mis ça. Appel à témoins, j'ai possiblement prêté ces bandes dessinées à quelqu'un, mais je n'ai plus aucun souvenir de qui. Si vous êtes cette personne, n'hésitez pas à vous manifester en DM. Des bisous. Voilà. Et en fait, j'ai une copine qui m'a envoyé un message et qui m'a dit c'est moi qui les ai. J'étais en mode, ah, j'avais complètement oublié. Donc, et ça en quelques heures. En plus, ça, j'étais trop deck parce que Anna et l'Entremonde s'étaient dédicacés par les auteurs. Donc du coup, j'avoue, j'étais un peu en mode « C'est inestimable !» Ouais, Alone, je suis même arrivée avant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai déménagé à Montpellier. J'aurais pas confiance dans le rappel pour la plainte. Moi, la dernière fois, j'ai appelé le commissariat pour prendre rendez-vous pour porter plainte. La pré-plainte a juste fait que le rendez-vous a été rapide, quoi. Bah moi j'ai appelé le commissariat et ils m'ont dit il faut faire une pré-plainte, donc j'ai écouté le commissariat quoi. Elle comptait te les rendre un jour ? Ouais ouais bien sûr, non mais elle me les aurait pas, c'est juste que je pense pas qu'elle les ait lus honnêtement vu la manière dont elle en a parlé au final. Ah trop bien Lalio, tu me diras ce que t'en as pensé ? Donc voilà. Donc, ma foi. Ma foi, en tout cas, depuis tout à l'heure, je vois mon téléphone bouger sur la map. Genre, quel gros fils de pute, putain. Bref, respect à toutes les TDS, nonobstant. Et ouais, il l'a éteint, donc du coup, j'ai pas la localisation en temps réel. Mais en fait, à chaque fois qu'il croise un autre iPhone... partage la loc et du coup je l'ai mais avec du retardement quoi. Genre là il est près de l'église Saint-Denis. Gros bâtard va. En plus j'ai une photo avec Clara derrière. Prise au Polaroid. Genre la prochaine fois que je vois Clara je reprends une photo parce que ça va me rendre trop triste sinon.
Ah, trop bien. Trop bien, Etherima. Vas-y, Régis, je t'en prie. Comment tu le vois? Bah, je viens de le dire. Genre, en gros, j'ai une appli qui s'appelle Localiser mon iPhone. Et en fait, quand le téléphone est éteint, tu peux plus le capter en temps réel. Mais tu le captes dès qu'il capte un autre iPhone. Donc du coup, ça veut un peu rien dire. Genre, tu peux pas suivre quelqu'un à la trace. Mais si cette personne croise un iPhone, et bah voilà, tu vois. Tu vas le prendre en quelle couleur, le nouveau? Je sais pas, j'ai pas regardé. Attends. Putain, il m'aurait duré encore plus d'un an, j'en suis sûre. Je suis dégoûtée. Si, je les ai, les photos, Nico. Si, je les ai. Non, mais j'ai tout, hein. J'ai tout. Y a pas... Bon, ben, je vais le prendre en mauve, hein. Quitte à m'être fait voler mon téléphone, je le prends en mauve, hein. Ou en lumière stellaire. Putain, ils se touchent, hein, Apple, hein. Ah là 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 là. Tu prends pas le Pro? C'est quoi la diff? iPhone 14 Pro. Quelqu'un peut pas t'en prêter un mois? Non. Non, tu veux que j'attende le dernier iPhone? En vrai, je m'en fous, Ruru, de ça. C'est quoi la différence avec le Pro? C'est plus cher. Non, mais allez, vraiment. Les photos? Oh non, je m'en balais qu'elles doivent être, bien sur le 13. Déjà, là, j'avais le 11, je crois. Non, mais je vais pas attendre, les potes. Non, mais je vais pas attendre. C'est mon outil de travail, mon téléphone. Non, je crois que je m'en fous. Non, je crois que je m'en fous un peu. Enfin, honnêtement, là, actuellement, j'avais le 12. J'avais le 12 en vert. Et les photos étaient déjà très bien, donc je vais pas prendre le Pro. Hein. Elle le retrouvera jamais, on connaît comment ça va se passer. Bah, même si je le retrouve, je le revendrai, et puis voilà, mais honnêtement, je pense pas le retrouver. Vraiment, Sylvain Trinel, au bout de quelques jours, il avait été... il s'était fait il s'était fait voler son téléphone au moment où les... Genre, il l'avait dans la main, dans le métro, le bruit des portes a sonné, un mec est arrivé, lui a tiré le téléphone des mains, et il a fait « Ah bah non !» Genre, il l'a raconté en live sur les Amis Bros, c'était très drôle. Il a fait « Oh non !» Et le gars est parti en mode « Eh si !» Et il est parti comme ça. Et après, un camion, quelques semaines après, a été perquisitionné. Et en fait, dedans, il y avait plein de trucs volés, dont son téléphone. Et ils lui ont rendu comme ça. Voilà. Mais ça, c'est une chance sur je ne sais combien que ça arrive, quoi. Figurez-vous que vous gagnez 5 mégapixels grâce au nouveau objectif de l'iPhone 14. Votre vie va fan V. Ah, putain. Eh bé. Quand j'y pense, j'ai encore l'iPhone 8. Bah ouais, mais je l'aurais gardé encore longtemps en plus, hein. Il est à 869€ sur ses discounts. Vas-y, je regarderai. Je vais pas faire ça maintenant. Je regarderai ça à tête reposée. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais prendre. Mais ouais, Mais je m'en fiche du nouvel iPhone. En plus de ça, j'ai pas envie d'attendre un mois avec un... Genre, j'ai personne qui peut me prêter un téléphone. Et en plus, genre, c'est mon outil de travail. Je m'en fiche. J'ai besoin d'un téléphone maintenant, en fait. Ouais, reconditionner, il faut que j'explore cette piste. Je vous avoue que j'ai peur, vu à quel point la batterie des iPhones, c'est de la merde. Je vous avoue que j'ai pas envie de me faire avoir sur ça. Mais oui, c'est sûr, je resterai chez Apple, parce que de toute façon, j'ai des... Même si Apple, voilà. No comment, mais... Ça, merci à Questrels pour le 35e mois, merci beaucoup.
Mais ouais, honnêtement, je suis trop habituée depuis le lycée à avoir l'OS d'iPhone et je le trouve pratique et tout, et plutôt fluide, etc. J'aime bien, quoi. Et donc, en plus de ça, en fait, le truc, c'est que ils sont malins, hein, Apple, hein, c'est des petits malinois, mais tu sais, j'ai un iPad et j'ai des AirPods, en fait. Donc, j'ai aucun intérêt à prendre autre chose. Ils te coincent comme ça, hein, les petits bâtards. Hein.